Voilà, les amis, maintenant, la suite du montage intérieur du M113. Quand j'aurai fini le montage intérieur, je passerai un petit coup de d'empoussiérage de sur l'intérieur. Ça, il faudra que je garde parce que l'empoussiérage pour ça c'est un peu spécial, la poussière, parce que surtout en Asie du Sud-Est, Vietnam, c'était jaune orange, jaune rougeâtre comme ça. Voilà. Maintenant, où est-ce que je suis? Ici, là, voilà. Ce sera mieux. La pièce à l'arrière. Pourquoi est-ce que tu te mets? Ah ouais, voilà. Je remets un petit peu de colle ici. Voilà. Ça va mieux comme ça. Mettre ça comme ça 30 secondes. Voilà. Bon. Maintenant, cette pièce. Ici. Là. On va boucher 10 minutes. Voilà.
là, ça commence à prendre forme. Bon, lui, il y a un sens pour le mettre. Et voilà, je vais déjà lui coller son petit siège dessus avant de le mettre. Pendant que ça sèche un petit peu, ben je vais commencer à dégrapper les autres pièces qui reviennent encore à l'intérieur et qui viennent se fixer ici à certains endroits. Je vais déjà les préparer. En même temps, je vais préparer des pièces qui vont que je regarde. Sur le capot moteur. Donc maintenant, il me faut à 10, à 15, ici. Et la 39 et la 40. Ça, je vais couper là pour avoir plus facile pour les peintres. Tour 4 là. Ici, je devrais mettre un petit peu de putty dessus pour reboucher les pastilles.
Ou alors, en ponçant, ça partirait. On va regarder ça tout de suite. Peu trop épais. Mettre un peu de putty. Ça c'est bon. Ça, je pourrais les coller ensemble. Ça. Bizarre, ça. Faudrait que je me trouve un carrelage bien lisse pour fixer du papier à poncer dessus pour que ça soit bien plat quand on ponce. Donc ça, lui, viendra
ça faut que je retire. Il viendra comme ça, là. Le petit instincteur, il ira là. Et lui, il vient. Comme ça. Deux, trois pièces. Ça, c'est toujours amusant, les petites pièces qui font enlever la ligne de moulage. Petite bobure. Par contre, pas d'instincteur en blanc, je comprends pas. On le mettra en rouge. Voilà. Je vais le mettre là. Bon, maintenant, est-ce que ça sec? Pour le petit point de colle. Bon, les autres pièces, ça, je les ferai hors caméra, avec le primaire et la peinture. Voilà. Maintenant, les sticks. La petite pince pour les mettre. Allez. Voilà. J'ai un petit point de colle de ma sac qui est dans le chemin. Voilà. En tout cas, pour l'extra glue 21, tu as mon mic, ça tient bien. Hein? Et elle est un petit peu élastique comme ça.
Voilà. Maintenant, vais mettre ça là. Les sièges. Où est-ce qu'ils sont les sièges? Ici. On va essayer de mettre ça juste, hein. L'autre côté. On va encore faire une longue vidéo, ça. Voilà. Bon, il me reste encore 4 pièces à mettre, mais là, je vais attendre un petit peu. Je vais mettre un petit peu sur pause le temps que tout ça sèche pour le mettre dans. Pour installer ici dedans. Plein de colle sur les doigts. Un peu sur pause, je reprendrai dans 5-6 minutes quand ce sera sec. Sec, ce sera bien collé. Et ben voilà, moment crucial. Voilà, pile poil dedans. Exactement ce que je voulais. Bon. Bon, maintenant, faut pas que je me trompe de sens. Ça sent bien là. Où est-ce qu'il est lui? Ah, il est là. Donc,
Ça vient comme ça. Et ça vers l'arrière. Voilà. Voilà. On va lui mettre un machin comme ça pour cette toile isolante pour bien le tenir à sa place. C'est ici qu'on va rigoler. Oh ben, ça a été mieux que ce que je ne pensais. Prends l'autre. Bon, ici, ne pas se tromper dans le siège non plus. Mettre un peu plus droit. Et non, hein. Vincent, c'est quoi ta colle miracle? Et tu allais mettre le petit dernier ici. Un petit point de colle pour recoller ça, ou je vais le laisser comme ça fera plus naturel. Simili-cuir qui. Qui est abîmé comme ça. Bon. Il fallait mettre celui-là. Je vais le laisser comme ça le temps que ça sèche. Pourquoi est-ce que ma table dans le fond se fait? Et ben voilà, là. L'intérieur est monté. Non, je vais peindre les autres pièces et regarder pour faire faire la poussière pour mettre dedans.
C'était un peu juste quand même, parce que je ne sais pas si c'est à l'échappement ou quoi là, mais il est juste collé contre, hein, enfin soit. Et ben voilà, je vais le laisser comme ça, il faut un petit peu la paix. Allez, on se retrouvera pour la suite de l'intérieur. Et je vais déjà préparer la trappe arrière, peinture de la trappe arrière, du capot avant. Et les pièces qui vont sur le capot avant qui sont. Où ces pièces-là? Ah, celle-ci. J'ai déjà préparé ces pièces-là. Bon, le ventilateur en blanc. Je ne comprends pas, radiateur en olive drop. Je le verrai plutôt noir. Filtre à air en blanc, oui. Ventilateur aussi, quoique les ailes, je les ferai bien noir aussi pour donner un petit peu de. Un petit peu plus beau quoi. Oui, radiateur et la pâle des ailes, je vais le faire en noir. Intérieur du capot, dans l'olive drop. Eh ben voilà, on se retrouvera pour la suite. Allez les amis, à la prochaine vidéo.